va se finir sur un classique parmi les classiques, le vintage 2000, millésime rigolo, 2000, c'est l'année où les ascenseurs sont tombés en panne. Ah non, ils sont pas tombés en panne, c'est ça le truc en fait. C'est un vintage. Alors vintage et colheita, c'est le même mot. Colheita, ça veut dire récolte en portugais, vintage, ça veut dire récolte en anglais. Okay. Ça signifie donc un vin d'un seul millésime, dans les deux cas de figure. On laisse au portugais le vieillissement en foudre, et à l'anglais, le vieillissement en bouteille. Okay. Et donc, le vintage, c'est un truc, imagine, ta fille est née en quelle année? C'est une fille, hein? Oui, ouais. En 2020. En 2020, et ben, quand les deux vintage 2020 sortiront, c'est-à-dire au moins dans 7 ans, achète des vintage 2020, achète-en suffisamment pour qu'elle en ait pour son premier mariage et pour son second mariage. Ok. Parce que si elle ne pourra plus en acheter à ce moment-là, et si elle se marie à 30 ans, à peu près, comme tout le monde, et ben, les vins seront à maturité, commenceront à être à maturité. Le vintage, c'est un truc qui est fait pour défier le temps. T'as des vintage de 50 ans, j'ai goûté des vintage jusqu'à un siècle, c'est juste somptueux. Et ça va comment en évoluant? Alors ça va en se... en s'affinant, comme pour les fromages. Ça devient moins puissant. Ça devient... Ça perd de sa largeur et ça gagne en profondeur. Plus d'acidité. Ouais, tu perds un peu le fruit de départ. Et t'as l'acidité qui est là, et c'est sur une structure acide en fait. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un truc qu'on ne voit pas, parce que ça fait 20 degrés d'alcool, il y a du sucre. C'est ça qui permet le vieillissement, c'est le sucre et l'alcool, mais surtout c'est l'acidité qui fait l'équilibre. Et c'est un truc d'un équilibre, mais c'est somptueux quoi. Et quand t'as des grands vintage un peu vieux, il y a un moment où tout le monde ferme sa gueule et juste tu goûtes. Et c'est comme dans les vins, où il y a des millésimes qui sont meilleurs que d'autres? On ne millésime que les grands millésimes, en Porto comme en Champagne. Donc on ne millésime pas chaque année en Champagne, c'est la même chose en Porto, s'il y a millésime, c'est que c'est une grande année. Ah non, il faut espérer que 2020 soit une bonne année. Ça, je peux rien y faire. Ça, c'est un truc, je peux pas t'aider, mais je peux me renseigner si tu veux, par contre. Ok. Voilà, et pour ça, on a fait un classique ultra classique, on pouvait pas passer à côté. Stilton, en fait, de chez Colson Bassett, celui-là, aussi appellation d'origine protégée. Donc fromage bleu, pâte persillée, Penicillium Roqueforti, hein, c'est la moisissure bleue qu'on ajoute dans le lait, et tu sais comment on fait le bleu? Avec des croûtes de pain. Ben ça c'est pour le Roquefort. Bah oui, mais tu vas demander Penicillium Roqueforti. Mais comment est-ce qu'il y a le bleu dans le fromage? Ah, on lui met des petits trous pour permettre de faire des cheminées. Non, c'est dans le Roquefort aussi ça. Ça c'est dans le Roquefort. Dans le Roquefort. Tous les bleus. Donc pour faire du bleu, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fromage. Comme tous les autres. Mais avant l'ensemencement, on met de la moisissure dans le lait. Dans le lait. Et c'est en faisant, et tu le vois ici, regarde. On fait des petits trous. Avec des aiguilles, eh bien, il y a l'air qui rentre. Regarde, je les avais pas vus parce que j'étais sûr de mon coup, mais je crois que c'était dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là. Et donc, on fait des cheminées. Ouais. Et c'est l'oxygène qui va faire développer en fait les moisissures. On le voit sur le Roquefort, je trouve que ça se voit très très bien. Voilà. Surtout sur les Roquefort jeunes, dans le Roquefort vieilli, un peu on le voit moins bien, mais on voit vraiment les traces. Au début, tu ne le vois, à la fin, tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que le moisi se met partout. Et si on ne piquait pas, eh bien, le bleu n'aurait pas. Ça n'apparaîtrait pas. Ça goûterait, et ça goûte différemment. Il y a certains bleus qui sont pas piqués. Et donc celui-ci, spécial. Colson Bassett, pour moi aussi, le meilleur producteur. Pourquoi? Parce que depuis la vache folle, il y a un peu la hantise du fromage au lait cru, mais surtout des présures animales. Hein, donc on utilise beaucoup de présures végétales. Eh bien, Joe Schneider, lui, il a décidé, moi je ne travaille pas avec la présure végétale, comme ici pour le Serra d'Estrella, parce que ça va donner des goûts métalliques. Moi je vais faire de la présure animale. Et donc ici, c'est le seul qui est fait en présure animale, ce qui va donner un goût beaucoup plus rond, beaucoup plus gras au fromage. C'est le seul également qui est moulé à la main, vraiment. Dans les moules à la main, qui va faire une structure aussi. Et il y a, pardon, je te coupe, mais on voit la croûte un peu travaillée. Il y a un travail de la croûte, elle est brossée, morgée, etc. Nettoyage régulièrement aussi, hein, et travail aussi en les frottant un petit peu avec du sel. Et on mange la croûte. Tu pourrais, c'est naturel, mais au plus on va vers la croûte, au plus on a ce côté sel et amertume. Concentré en fait. Mais c'est surtout d'amertume, alors qu'ici, au centre, on a ce côté
moisissure. Et c'est ça qu'on veut, c'est le côté moisissure et pas côté salé. C'est souvent ça, les bleus, les gens disent « Oh, moi, j'aime pas, c'est très salé. » Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, c'est de trouver un juste équilibre fondant pour qu'on n'ait pas ce côté salé et qu'on ait ce côté plutôt moisissure, très fine, qui va bien... Est-ce que tu fais en fin d'année des Stilton au Porto? Tu as déjà fait ça? Oui, je le fais moi-même. Donc ça, c'est un conseil. Il vaut mieux aller chez son fromager ou essayer de le faire soi-même que d'acheter... Le truc tout mélangé là, dans les pots. Parce que ça, c'est... Ça, c'est pour refaire les trous dans les façades. Voilà. C'est souvent, hein, pour dire à nos téléspectateurs, dire que souvent, ce sont des Stilton qui ont été déclassés, qu'ils broient, qu'ils mélangent avec du Porto et puis qu'ils remettent en pot. Et comme ça, on facilite la vente des Stilton déclassés. Donc, achetez chez votre fromager un qui aura fait une bouteille complète pour un Stilton. C'est ça, hein. Et on attend que ça repasse en dessous et on remet dedans. Voilà, hein, c'est ça. Et alors, on le met avec des petits toasts Melba. Délicieux. Vous avez compris? Et ça. Du vintage, du Stilton, de l'amour. Julien Hazard, le fils caché des trois autres. Enfin, le frère caché. Il met des buts par hasard. Toi, ça va, c'est bon, j'arrête. Donc là, on est sur le vintage. Le vintage, s'il était plus vieux, parce que là, c'est juste 21 ans, donc ça va, une majorité anciennement, quand il est plus vieux, l'alcool, en fait, bouffe le bouchon, et tu ne parviens plus à l'ouvrir avec ceci. Alors, tu peux l'ouvrir avec un tire-bouchon à lame, tu vois ce que c'est, un tire-bouchon à lame? Oui, j'ai jamais. Avec les deux lames, enfin, j'en ai un quelque part, je le cherche, tu rentres, ou alors avec une pince. Tu mets une pince chauffée à blanc autour, puis tu passes avec un filet d'eau ou un glaçon. C'est pas pour le chaud du tout. C'est pour le chaud quand tu fais avec du champagne ou... Il y a un restaurant italien qui a fait un succès dingue sur internet avec ça pour ouvrir une bouteille de Petrus 61, genre... Mais on s'en fout, si tu veux, si le mec est cohérent, il prend un tire-bouchon et ça marche. Dans les vieux vintage, en fait, ce qui se passe, c'est que le bouchon a vraiment été rongé. Et donc, si t'attaques au tire-bouchon, t'en mets partout, quoi. C'est vraiment la cata. Donc ça marche pas bien. Et honnêtement, je trouve que... Pour moi, en tout cas, ça fait partie des boulots du sommelier. Et en même temps, ça ramène un peu de... Pas de magie, mais de technique. C'est montrer aussi que c'est pas juste ouvrir des bouteilles et être sommelier. C'est à portée de n'importe qui. Et il y a juste quelques exercices en plus à connaître. C'est un peu confiture. Hein, ouais. Et là, tu rentres dans un autre monde, c'est de la gelée de groseille, des choses comme ça. Alors je pourrais la passer en carafe pour lui donner un peu de poumon. Santé. Santé à toi. Santé à toi et merci pour ces voyages, parce que c'est quand combiner des vins et des fromages, enfin des vins et des mets, c'est le boulot du sommelier aussi. Oui. Et je trouve que, enfin en tout cas pour moi, c'est une belle rencontre. On ne se connaissait pas avant. Non. Juste de réputation désagréable, mais rien d'autre. Et je trouve que c'est, enfin pour moi, c'est vraiment une belle rencontre. Et on va se dépêcher parce qu'il y a le Brie qui est en train de se barrer en couille. Et il n'est pas question que je le laisse. Donc on boit, on se casse. À la vôtre.